comment notre monde était-il né? Les anciens ont péri il y a un millier d'années, en déclenchant l'extinction de toute vie. Elle m'a montré comment il avait ressuscité. Une petite paria qui ignorait tout de son importance. Grâce à elle, j'ai appris que la vie ne fut sauvée que par un miracle technique. Aube Zéro, un système de terraformation composé de 9 fonctions subordonnées, chacune jouant son rôle pour remodeler un rocher désolé vers un paysage verdoyant. Entretenu et protégé par les machines. Grâce à elle, j'ai appris le plus grand secret de tous, celui de sa naissance. Elle est un clone d'Elisabeth Sobeck, celle qui créa Aube Zéro. Née pour empêcher une nouvelle extinction. Menée par Hades, une IA malveillante, à qui un mystérieux signal d'origine inconnue a donné sa propre volonté. Et avec un peu d'aide de ma part, elle remporta la victoire lors d'une grande bataille dans la ville de Meridian. Elle devint la championne de l'humanité entière. Son rôle a été crucial, et pourtant, je dois maintenant l'abandonner. Et tandis qu'elle se bat pour réparer ce qu'Hadès a brisé, j'ai fait une découverte stupéfiante. Celle qui annonce à la fois la destruction et l'opportunité.
Je n'ai plus beaucoup de temps, Elisabeth. La Terre se meurt. Les gens souffrent. Bientôt, ils mourront de faim. Tout ça à cause d'un système de terraformation hors de contrôle. Je suis la seule à pouvoir agir. La seule à avoir ton code génétique. On ne tardera pas à atteindre le point de non-retour. Et après ça, c'est la fin. Ça fait des mois que je cherche ce dont j'ai besoin. Une copie de Gaïa. L'IA que tu as conçue pour contrôler le système. Mais à chaque fois que je crois avoir une piste, ça ne mène à rien. Et chaque nuit, je fais le même rêve. Je marche dans la clarté de la lune, à travers un champ de fleurs. Et quand j'arrive, au centre, je te vois, Elisabeth. Tu m'attends, même si tu es morte depuis 1000 ans. Tu es ce qui se rapproche le plus d'une mère pour moi. Et pendant un instant, je me sens bien. Mais ça ne dure pas. Je me retrouve toujours seule. Le monde est ton héritage, Elisabeth. Je ne le laisserai pas disparaître. Cette vallée en contrebas est la seule piste qu'il me reste. Mon dernier espoir de trouver la copie de secours. Je ferai tout pour la récupérer. Je le jure. Ah, mais voilà Aloy, la sauveuse de Méridian, l'élu des Nora. Tu sais que je déteste ce genre de titre. Alors, considère ça comme ta punition pour avoir filé le jour où on fêtait la victoire sur Hadès. J'ai grandi en Paria, tu te souviens? Je n'aime pas trop les fêtes. Ouais. Mais elle était en ton honneur. Enfin bon. Alors, on fait quoi? Ça doit être urgent pour que tu sois parti si vite. Tu t'es mise à fouiller des ruines? Ou bien tout ça a un rapport avec la Niel? Les deux, en fait. Mais... je dois... Oh non. Ça fait trop longtemps que je te cherche. C'est rien. Après tout ce que tu as fait pour aider les Nora et ma famille, j'ai fait le serment de t'aider, quoi qu'il en coûte. Je vais pas te lâcher. Comme l'écorce sur un arbre. D'accord. Mais si tu veux m'accompagner, il faut que tu puisses voir ce que je vois. Un focus? J'aurais jamais pensé avoir ton troisième œil. Je t'en donnerai un autre plus tard. Et je te ferai copier tes données. Données? Les informations de l'appareil, tu as beaucoup à apprendre.
Je vais tout expliquer en route. Tu vois tout le temps comme ça? Depuis mon enfance. En route. C'est bon? Bon, j'ai récupéré des pièces sur le chemin. Il faut des plantes médicinales pour plus tard. C'est l'heure de ta toute première leçon de focus. Ça me va. On peut commencer. Ces plantes ne ressemblent pas à celles des terres sacrées. Le focus t'aide à repérer celles qu'il nous faut. Oh. C'est amer. Ouais, mais au moins, elles sont efficaces. Allez, il faut continuer. On devrait en cueillir d'autres pendant le trajet. Oui, bonne idée. Il y a d'autres lianes rouges ici. Daniel a contaminé les plantes. Elle les a changées. Si elle continue de se répandre, plus rien ne poussera. Oui, on doit arranger ça. C'est là-bas qu'on doit aller. Je ne sais pas qui a mis ces cordes ici, mais on peut les utiliser pour glisser jusqu'en bas. Désolée, je devais m'occuper d'une autre affaire. Tu parlais de quelque chose quand je suis partie. T'as trouvé quelque chose? Oui, des... Qu'est-ce qu'on cherche? La copie? Eh ben... C'est une IA. C'est dur à expliquer. Disons que... C'est un ensemble d'instructions pour réparer le monde. Ça a l'air compliqué. Toujours en train de piller des carcasses de machines. Et elles s'en vont. On dirait qu'elles ont laissé une carcasse. Il y a beaucoup de flèches dans cette machine. Allons voir ça de plus près. Quelqu'un a abattu cette machine récemment. Qui d'autre viendrait ici? Je ne sais pas. On devrait se fabriquer quelques flèches. Ça risque d'être dangereux. Heureusement qu'on a déjà cueilli des cannes de rivage.
J'ai une échelle. Mais on ne peut pas l'atteindre d'ici. On devrait pouvoir débloquer ça avec une flèche. Il faut juste viser le verrou. Où est-ce qu'on est ? Je ne sais pas. La transmission... Le... Il faut trouver une entrée. Alors ? Qu'est-ce qui s'est passé après mon départ de Méridian ? Il y a eu un peu d'agitation quand on s'est aperçu de ton départ. Et puis, on s'est dit que tu devais avoir une bonne raison de partir comme ça. Oui, c'était le cas. La Niel ne s'en prend pas qu'aux plantes. Elle tue aussi les animaux. Et puis les gens tombent malades à leur tour et meurent de faim. On doit faire quelque chose. On doit trouver une autre entrée. À l'œil, par ici. On peut peut-être entrer dans les ruines par là. On descend. Dans les hautes herbes. J'en avais jamais vu un comme ça. Moi non plus. Ces machines mortes l'ont alerté. Comment tu veux procéder ? Le focus nous aidera. On peut scanner la machine avant de l'attaquer. D'accord. Attends une seconde. Bon. Tu vois les parties qui brillent ? Ce sont ses points faibles. Compris. Je suis prêt. En voilà un autre. Ah.
données sur les machines. Comme un chasseur qui étudie sa proie. Oui, si tu veux. Et donc, après la nouvelle de mon départ, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, à la fin de la fête, ma mère a ramené les Nora chez eux. Et le Roi Soleil a affecté ses citoyens aux réparations de la ville. Et je suis parti à ta recherche. Quelqu'un d'autre a tiré sur cette machine. T'as dit que t'avais un focus depuis que t'étais petite? Ouais. J'ai trouvé le premier quand je suis tombée dans une ruine. J'ai récupéré les autres dans une réserve ancienne. Il vaut mieux en avoir plusieurs. On va dans les ruines des anciens. La déesse nous protège. Ça va aller, Varl. Par ici. Bienvenue sur le site de lancement de Zénith Lointain. Zénith Lointain ? Je sais qu'ils ont échangé des technologies avec Obzero, mais... pourquoi ils auraient une copie de Gaïa ? Veuillez vous inscrire à l'accueil pour la visite. On dirait qu'ils veulent qu'on s'inscrive quelque part. Veuillez patienter pendant l'identiscan. Accès refusé. Un membre du personnel va venir vous aider. Docteur Sobek. Il n'était pas en bon terme avec Elisabeth. Bon, trouvons un passage. Veuillez patienter pendant l'identiscan. Accès refusé. Autorisation non reconnue. Il n'a pas l'air de m'apprécier non plus. On devrait pouvoir forcer cette porte. Du matériel d'escalade. Quelqu'un a dû entrer par au-dessus. Ceux qui ont laissé ça ici se sont probablement occupés des machines qu'on a rencontrées. Où ils sont maintenant ? Que ça sent. Un campement entier détruit. Ils ont dû venir récupérer des pièces. De l'acide, ça explique cette odeur. On dirait que quelque chose de gros est arrivé d'en haut. Ça s'est écrasé sur le campement. C'est passé à travers le mur. Je devrais aller voir les gravats dans ce trou. La chose qui est passée par là a tout détruit en sortant. Si je dégage les débris, on devrait pouvoir se faufiler. Je trouverai peut-être quelque chose d'utile dans le camp. Aloy, par ici. Je crois que j'ai quelque chose. C'est une sorte de prototype au sérum, je crois. On dirait qu'on peut attacher ce crochet à quelque chose. Et ce mécanisme le rapporte. Il a l'air cassé, mais on peut peut-être le réparer. Accroche-le au débris. Et je tire pour l'extraire. Ça pourrait marcher. Le focus peut nous aider à fouiller le camp. Et à trouver de quoi réparer cet outil.
Mon focus a remarqué quelques trucs à examiner. Le pauvre. L'acide a traversé son armure. Il y a des provisions ici. Ils ont dû prévoir de rester un moment. Une pièce de machine. Elle pourrait servir à réparer l'outil. Un câble de machine, plus solide qu'une corde. Bon, je crois que j'ai ce qu'il me faut pour réparer l'outil. Voire pour en faire quelque chose de mieux. Tu peux utiliser cet établi ? Allons le tester sur les débris. Encore mieux que ce que je pensais. J'ai l'impression que ça va pas être simple de sortir d'ici. Je devrais scanner la zone. Il faut qu'on trouve un moyen d'avancer. Hein ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Je devrais pouvoir monter là-haut. Qu'est-ce que c'est ? Bonjour, je suis Oswald Dalgard, et je suis ravi de vous présenter Zénith Lointain. Oubliez ce que vous croyez savoir à propos de nous. Notre vérité est simple. Visez les étoiles, même si vous devez parcourir 8,6 années-lumière pour les atteindre. Veuillez vous rendre à l'auditorium, où nous vous présenterons notre projet.
me demande ce qu'il y a dans cet auditorium. On va pas tarder à le savoir. Parfait. Ça a marché. Cet attracteur est pratique. Dommage qu'il n'y en ait qu'un. N'en fais pas, je vais trouver un autre moyen. Bon, je dois faire descendre l'échelle pour voir. Voilà pour toi, là. Merci. Les humains, les Homo sapiens, nous, nous avons toujours repoussé les frontières en tant qu'explorateurs, pionniers, initiateurs. Désormais, Zénith lointain est notre prochaine étape vers le futur. C'est pourquoi nous sommes fiers d'avoir ressuscité l'Odyssée. Ce que nos gouvernements ont abandonné en orbite, Zénith lointain le concrétisera en moins d'une décennie. Mais tout cela n'est qu'un début. Quand le vaisseau sera terminé, nous enverrons l'Odyssée et son équipage là où personne n'est jamais allé. Le système Sirius. Là-bas, nous pourrons créer la première colonie extraterrestre. Il faudra 300 ans à l'Odyssée pour l'atteindre. Mais lorsque nous regarderons le ciel, nous saurons qu'ils sont en route. Et pour citer notre fondateur, le regretté Peter Chivhumbe, la forme d'immortalité la plus pure est... Données corrompues. Lecture impossible. Donc les anciens pouvaient voler dans le ciel, au milieu des étoiles? Oui. Plus ou moins. Ce vaisseau, l'Odyssée, il n'est jamais arrivé sur l'autre étoile. Il y a eu un problème et il a explosé. C'est pour ça qu'Elisabeth leur a donné une copie de Gaïa. Pour leur colonie. Erreur. Fichier de présentation publique corrompu. Fichier de recrutement des membres disponible. Voulez-vous le réactiver? Oui, réactive-le. Voyons ce qu'ils ont d'autre à dire. Nous connaissons les projections. Instabilité économique, nouvelle biocontagion, IA menaçante. Tôt ou tard, l'élite mondiale devra faire face à des dangers qui lui seront fatals.
Chez Zénith Lointain, nous croyons qu'il faut fuir l'inévitable. C'est pourquoi nous visons les étoiles. Vous avez vu ce que nous construisons ici. Une infrastructure pour soutenir la création de l'Odyssée. Un centre de données de pointe qui permettra des avancées technologiques rapides. Et vous avez vu comment nous gérons la perception du public. Investissez et rejoignez-nous. Réservez votre couchette à bord de l'Odyssée. Préservez votre niveau de vie loin des préoccupations terrestres. Ils avaient raison pour la fin du monde, mais ils ne savaient pas encore comment. Alors, ce qu'ils disaient là-bas, sur le futur de l'humanité, c'était donc faux. Ces gens, la seule chose qu'ils voulaient, c'était sauver leur peau. Eh ben, ça n'a pas bien tourné pour eux. Cet Oswald a parlé d'un centre de données. Là, la copie. Elle doit être stockée ici. On ne pourra pas y aller à la nage. Trouver un autre moyen. Viens. Je n'arrive pas à croire que les anciens volaient. Ils étaient capables de bien des choses. Pour le meilleur et pour le pire. On dirait bien, oui. Je me demande comment c'est d'être là-haut, parmi les étoiles. Les terres sauvages ont vraiment pris le pouvoir ici. Mon focus va peut-être m'être utile ici. Frimeuse.
avancer dans les ruines. Attention, je tiens pas à ce que ces trucs appellent leurs copains souterrains. Tu prends celle de gauche, je m'occupe de celle de droite. Compris. Je vais monter. Je dois m'approcher et l'éliminer discrètement avec ma lance. Je dois pas me faire voir. Je ferais mieux de scanner pour vérifier son itinéraire de patrouille. D'autres machines droit devant. Ça devrait pas nous poser problème. Je voulais te dire, j'ai remarqué que t'avais un style différent. Oui, je sais. J'ai pas pris le temps de me raser quand j'essayais de te rattraper. T'en fais pas, c'est temporaire. Tant mieux.
Désolé que mes moustaches t'offensent, élu. Daniel est arrivé jusqu'ici aussi. Les Océram ont dû utiliser des explosifs contre les machines. Ils ont réussi à en avoir quelques-unes. On dirait qu'il y avait une barricade ici. Des machines ont dû l'enfoncer. Je garde ça pour plus tard. Cet Océram n'a pas eu l'occasion de l'utiliser. Attention, il y a des pièges. Oh. Je pourrais peut-être les détruire. On dirait un autre camp. Tant qu'on y est, pourquoi ne pas arrêter nos propres pieds ? Ça pourrait nous aider contre la magie. Bonne idée. Bon, j'ai ce qu'il me faut pour faire un piège. Droit devant. Je ne crois pas qu'elle nous ait vu. Je devrais les scanner. J'ai déjà vu cette machine. Un pillard. Je ne connais pas. Voyons quels sont ses points faibles. Je devrais peut-être fabriquer des pièges. On permettra de passer.
peut continuer. T'as connu beaucoup de ruines de l'ancien monde? Elles sont toutes comme ça? Elles ont toutes leurs secrets, mais chacune est différente. Une grosse tempête se prépare dehors. Oui. Elles sont de plus en plus violentes. Et fréquentes. Les tempêtes, les terres contaminées, les rivières et les lacs envahis d'algues. Tu es né pour arranger tout ça? Oui. Mais je pourrais le faire que si je trouve cette copie. Je crois qu'on est en train de contourner le centre de données. On va devoir traverser ce grand bâtiment sur la droite. Hé, hey, Varl! Il y a des données. Tu peux les scanner avec ton focus. Ces données parlent d'une technologie que Zénith Lointain a échangée avec Hope Zero. Ça n'explique pas comment ils ont eu une copie de secours. Je vais essayer de trouver d'autres données. Alors... des tas de glyphes. Je vais les garder pour les étudier plus tard. On va devoir grimper. S'effondrer. En même temps, il a 1000 ans.
dirait une sorte de salle de réunion. La porte de l'autre côté est verrouillée. Il y a encore une de ces choses brillantes près de la table. Anzu? Le système de terraformation d'Aube Zéro, la création du docteur Elisabeth Sobek, alimenté par 9 fonctions subordonnées. Gaïa, le noyau du système, a des capacités d'ingénierie planétaire avancées. Un avantage sans pareil pour soutenir nos efforts de colonisation. Phase 1 de l'opération, établissement d'une cible au sein du projet Aube Zéro. Statut fait. Phase 2, la cible diffusera discrètement une copie complète de Gaïa et de ses fonctions subordonnées dans le centre de données de ce site. Si tout se passe bien, le personnel d'Aube Zéro ne sera absolument pas au courant de la transmission. Risque, la découverte de cette opération pourrait avoir pour conséquence qu'Aube Zéro conserve la base de données Apollon déjà négociée. Des mesures doivent être prises afin de ne pas alerter Travis Tate, l'expert en piratage en charge du protocole Hades. De plus, des précautions extrêmes doivent être prises en ce qui concerne le Dr Sobek elle-même. C'est l'une des technologues les plus en vue au niveau mondial, et il se peut qu'elle ait mis en place des mesures de sécurité inattendues. Une évaluation complète est jointe, et conclut le résumé exécutif. Je pensais qu'Elisabeth avait envoyé la copie ici, mais c'est faux. Zénith lointain a volé Gaïa. À l'œil, pourquoi cette femme te ressemble ? C'est normal, Varl. On se ressemble parce que je suis la même personne, génétiquement identique. Mais c'était l'une des anciens. Comment peux-tu être elle ? Parce que je suis pas née. J'ai été créée par une machine. C'est pour ça que j'ai pas de mère et que j'ai été rejetée dès ma naissance. Je ne comprends pas. Quel genre de machine peut créer une personne ? Tu te souviens quand je t'ai dit que la copie était un ensemble d'instructions ? C'est plus que ça. Elle s'appelle Gaïa. Et pendant longtemps, elle a pris soin du monde jusqu'à ce qu'elle ait dû s'autodétruire. Elle m'a créée pour la ramener. Je suis la seule à pouvoir. Et cet endroit est mon dernier espoir. Tu as dit un jour que la déesse t'avait parlé dans la montagne de la Toute-Mère. Est-ce que c'était Gaïa ? Oui. Mais ce n'est pas la déesse, Varl. Elle n'existe pas. Tu en es sûr ? On dirait bien qu'elle t'a attribué une tâche sacrée. J'ai eu beaucoup de temps pour y réfléchir. Tu comprendras, grâce au Focus. En attendant, le rapport dit qu'ils allaient stocker la copie volée de Gaïa dans le centre de données. C'est là-bas qu'on doit aller. D'accord ? Aloy, par ici. Trouvez quelque chose qui pourrait nous servir. Ces Océram ont dû l'oublier. Ils s'en servent. Une arme ? Merci, Varl. Il faut qu'on continue. Après toi. Je crois qu'on est proche de la sortie. Bien. Regarde, c'est sûrement la machine. Direction.
machine. Je pourrais essayer cette... D'autres ratisseurs en sérum. Et de l'acide partout. Cette grosse machine a dû les attaquer quand ils fuyaient. Ils n'avaient aucune chance. Je crois qu'on peut traverser ici. Était notre dernier espoir. Oui. Tous ces endroits où je suis allée ces derniers mois, il devait y avoir d'autres copies. Mais il y a 1000 ans, un certain Ted Faro les a toutes effacées. Il faisait partie de Zénith Pointin ? Non. Il était pire. Machin de métal. Elle ressemble au vaisseau qu'on a vu dans l'auditorium. Imagine rejoindre les étoiles là-dedans. D'autres sérums. Les machines les ont tous massacrés. Décidément, ces mecs n'ont pas eu de chance.
Des machines patrouillent là-bas. On peut les marquer via le focus pour les garder à l'air. Comment s'échapper d'ici ? La machine a traversé le mur. Il y a une échelle à l'arrière. Il y a quoi là-dedans ? Au fait, je voulais savoir... Sona était vraiment d'accord pour que tu ne rentres pas aux Terres Sacrées ? En tant que chef de guerre Nora, elle a compris pourquoi j'étais obligé de te suivre. Mais en tant que mère, elle n'était pas ravie. Ça lui arrive de l'être ? Je crois pas l'avoir déjà vu sourire. Moi non plus. Trois de ces monstres. Et s'ils ont massacré tous ces Oseram, on n'arrivera jamais jusqu'au centre de données. On ne pourra pas les éviter. Et ils sont trop coriaces pour les affronter. Il faut trouver un village et demander l'aide des chasseurs. Ça prendrait des semaines et on n'a pas le temps pour ça. On pourrait s'arranger pour que cette navette tombe. Ce truc ? Comment ? Je vais trouver. Attends-moi là. À l'œil ! Reviens. Et elle est repartie. Il suffit d'attendre la navette pour trouver comment la faire tomber dans le bassin. Je devrais peut-être m'en tenir à ma lance pour économiser des munitions. Thank you.
j'arrive à accéder à cette tour, je devrais pouvoir traverser jusqu'à la navette. Je peux grimper à la tour grâce à cette échelle. L'atteindre en m'élançant après avoir utilisé mon grappin. C'est bon. Alors, on a finalement trois machines géantes qui ont tué les Océram en crachant de l'acide partout. Je pourrais jamais sauter jusque là-bas. Mais il y a un câble. Je peux peut-être m'en servir pour traverser. Jamais sauté jusque là-bas. Mais il y a un câble. Je peux peut-être m'en servir pour traverser. Que d'énormes fixations maintiennent la navette en place. Je parie qu'il y a une console près d'ici. Si j'arrive à ouvrir les fixations, la navette devrait tomber pile dans le bassin.
Super. D'autres machines sur mon chemin. Tranquille ici maintenant. La console de commande doit être ici. Bon, il est temps d'écraser ces machines en bas. Prise dans ces câbles. Je dois escalader la tour pour essayer de les débrancher. Comment je peux escalader la tour? Scanner avec mon focus pourrait être utile. Je grimpe sur l'autre tour pour pouvoir dénicher la queue.
connecteur maintient les câbles ensemble. Si je tire dessus, ça devrait le casser. J'y suis presque. Voilà l'autre point d'ancrage. Éliminer rapidement. Je vais tous m'aider à trouver quelque chose.
son compte. Enfin. Le centre de données doit être tout droit. Parle va devoir trouver un autre accès. Je pourrais relancer Gaïa, réparer le système, guérir la Nielle, et restaurer le rêve d'Elisabeth. Est-ce qu'elle est toujours là? Bon, je dois trouver la salle des serveurs. Sure.
Salut. Elisabeth ? Travis Tate. Alors, qu'avons-nous donc là ? Une conspiration de Zénith lointain pour voler une copie de Gaïa et de ses fonctions subordonnées ? C'est très vilain, ça. Tu veux que je m'en occupe, please ? Blasphémateur ! Fils de vipère ! De ma main funeste, je vous châtie en déversant des fléaux sur vous ! Une fois que vous croirez être plus malin que Tate, rappelez-vous de son salut. À l'œil. La déesse. Il n'y a pas de déesse. Je te l'ai déjà dit. Ce n'est pas Gaïa. Ce n'est pas ce que je cherche. C'est qu'une blague. C'est bon. Parle. Je suis désolée. Tu peux être cinglante parfois, tu sais. Mais c'était assez génial de te voir plonger de cette tour et de faire sauter tout le bassin. Le problème, c'est que je vais devoir continuer. Je n'ai plus de piste, Varl. Mais je dois continuer de chercher. Et vite, quels que soient les risques à prendre, je le ferai. Ce n'est pas une bonne idée d'être accompagné. Quelqu'un pourrait être blessé. C'est ma mission, Varl. La mienne. Attends. L'autre fois, à Méridian, tu as dit qu'un homme t'avait aidé, Silence. Tu as dit que tu parlais beaucoup avec lui, sur des choses que tu avais apprises sur l'Ancien Monde, et que personne d'autre ne comprend. Et il t'a donné la lance qui t'a permis de vaincre Hadès. Il est parti, Varl. Je n'ai pas de nouvelles de lui depuis la bataille contre Hadès. Bien sûr. Mais le maître espion marade à Méridian. Il est doué pour trouver des gens, je crois. Varl, je... Allez, ça peut marcher. Et puis tu auras l'occasion de revoir quelques vieux amis. D'accord. D'accord. Ouais, j'imagine qu'on peut essayer. On a une longue marche à faire. En fait... J'ai une meilleure idée. Le soleil, c'est donc vrai. Elle est revenue. Merveilleux. La sauveuse de Méridian est de retour. T'as mérité cet accueil. Tu les as sauvés. Pas encore. Au nom du roi soleil, Avad, un accueil royal pour la championne. Faites place. Marad. Aloy doit vous parler de toute urgence. Ah oui ? Eh bien, nous sommes deux. J'ai envoyé des chasseurs à ta recherche, de Brunante jusqu'aux terres sacrées, mais sans succès. Il s'est passé quelque chose à la flèche.
Bien. Je vais te montrer. Fais attention. Tu nous as sauvés, bien sûr, mais on n'est pas au bout de nos peines. Ça s'est passé juste après le solstice. Nous avons pu offrir une explication grâce au soleil. Sans ça, c'était la panique assurée. Une nuit, pendant peut-être une poignée de secondes, elle s'est illuminée en rouge. De méridien, on aurait dit un effet de lumière. Mais ceux qui étaient proches, au sommet du bûcher, disent que ce n'était pas un reflet. À mon grand désarroi, la lumière serait montée de la base de la tour. De ça. Nous avons tout laissé en l'état. Tu penses qu'il s'est passé quoi ? Je sais pas. La flèche est censée envoyer des signaux, des messages, pour la terraformation. Mais Hadès a tenté de s'en servir pour éveiller des machines de guerre. J'étais sûre d'avoir coupé la connexion. Reste ici, je vais voir. Dis-nous ce que tu trouves. Est-ce que c'est une statue de moi ? C'est nouveau. Je suppose que je devrais être flattée par cette statue. Mais ça me gêne. Mon travail est loin d'être terminé. Des carcasses de machines. Des vestiges de la bataille du bûcher. On a failli être dominé par les machines contrôlées par Hadès. Mais on s'est accroché. J'ai un mauvais pressentiment. Je n'ai jamais pu la retirer. Quoi ? Un signal a été transmis du haut de la flèche. Je vais devoir trouver un moyen de monter.